Hey, salut tout le monde, c'est OZ pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui je vais vous présenter une petite animation que j'ai réalisée sans trop de mal. Alors c'est un effet de remplissage d'un texte en effet de vague en fait. Alors regardez ça. Voilà, c'est comme ça, c'est hyper court, ça dure millisecondes, mais imaginons vous le mettez pendant une animation. Par exemple sur YouTube, j'avais fait une intro pour quelqu'un. Alors, Wave Team, et vous allez voir un moment dans leur voilà, intro pour la Wave Team. Bah là, en fait, là, on se retrouve sur ma chaîne. Regardez. Voilà, là, quand le mot fun apparaît. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va apprendre ça. Alors, tout d'abord, vous créez une nouvelle composition en cliquant là. Ou composition, nouvelle composition. Alors, moi, je vais mettre plutôt vague. Alors, moi, je mets HDV, HDTV 720-25. Largeur 1280, 720, pixels carré, 25 images par seconde. Ouais, c'est bon. Résolution intégrale, 30 secondes et couleur d'arrière-plan, bah noir. Voilà. Alors pour commencer, vous prenez l'outil texte ici, vous cliquez, vous écrivez votre texte. Donc imaginons, moi je vais prendre tuto. Pour ceux qui voudraient savoir ma police, c'est Magma Wave Capes. Voilà, donc elle s'affiche là. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, pour agrandir, donc vous sélectionnez votre texte comme ça. Restez appuyé et vous sélectionnez. Cliquez là sur le petit sur l'outil sélection, vous appuyez sur V. Merde, excusez-moi. Voilà, vous cliquez là sur le petit coin ici. Hop, vous restez appuyé, vous appuyez sur Shift et vous agrandissez autant que vous voulez. Voilà, je l'agrandis encore un petit peu et voilà. Ensuite, vous cliquez bien là sur le texte, vous faites CTRL D. Là, vous avez tuto numéro 2, donc là je vais mettre couleur. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez que la vague sera. Imaginons si on veut qu'elle soit orange. Voilà. Ensuite, vous cliquez bien sur couleur. Vous prenez l'outil plume. Alors, faut bien que ce soit gris ici. Vous cliquez et vous restez en allongeant. Vous faites pareil. Là, vous allongez encore. Pareil. Pareil. Et là, vous descendez un petit peu pour que ça fasse tout le texte, quoi. Et là, c'est bon. Voilà, donc vous voyez, là, ça fait ça. Alors là, on va cliquer là. Là, vous voyez, là, ça fait un curseur avec un petit carré en dessous. Ça veut dire que si vous faites ça, bah, ça sélectionne. Alors là, vous sélectionnez tout, tout le parcours de masque. Tout masque. Donc là, ça vous le sélectionne. Là, vous cliquez, par exemple, là, sur le petit truc. Vous le descendez. Hop. Alors, faut bien avoir sélectionné avant. Parce que regardez là. Là, si j'ai rien sélectionné et que je veux bouger, là ça bouge le masque. Voilà. Donc faut bien sélectionner. Hop. Tiens, moi j'arrive plus. Hop. Voilà. Voilà. Alors là, vous l'avez bien descendu. Ensuite, vous mettez genre à 0. Vous cliquez sur couleur ici. Hop. Vous allez dans masque. Masque. Tracé du masque. Vous cliquez. Vous faites CTRL SHIFT. Vous restez appuyé. Vous faites la flèche de droite. Deux fois. Et là, vous montez le masque tout en haut. Ensuite, vous revenez. Ouais. On va plutôt le descendre un tout petit peu pour que ce soit à l'extrémité. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est là. On va donc. Là, vous pouvez refermer votre truc. Hein. Hop. On fait CTRL flèche. Là, on va monter un des trucs. On monte tout. À chaque fois, c'est les plus bas qu'on monte. Donc, pas de très beaucoup. Hein. CTRL flèche. De droite, bien sûr. On monte un tout petit peu et pas trop. Hop. Donc, moi, j'ai pas très bien fait mon tracé. CTRL flèche de droite. Vous montez un petit peu. Pas trop. Hop. C'est bon. CTRL pareil, monter un petit peu ici aussi et là, CTRL
ici vous montez l'appareil, contrôle, ici vous montez, contrôle, ici vous montez, contrôle, ici, contrôle, hop, contrôle, voilà, et c'est bon. Voilà, on va voir ce que ça nous donne. Voilà, donc ça va assez vite, hein. Vous voyez, c'est vraiment très rapide, mais dans un truc ça peut aller, ça peut être très 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 bien. Voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel. Si vous voulez, vous pouvez me demander des effets avec After Effects que vous savez pas comment les utiliser, et voilà, je vous montrerai bien sûr. Aussi, si vous voulez, dans le prochain tutoriel, je vous montrerai sûrement comment faire une animation avec des caractères qui s'écrivent comme une machine à écrire, en fait. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.